Ah non, on prend Pokémon Trainer. Ok, non, c'est bon, on est parti sur les deux. J'ai cru que c'était pas tant et tout, mais non, on est bon. Allez, on met les petits nerfs en neutral, on met, voilà, on met les trucs chiants de Game & Watch, vous connaissez, sauf que je pense que côté chariot, on a un petit peu d'expérience dans le match-up, là, Tony, on n'a pas la moindre. Et voilà, ce upbeat, le fameux upbeat de Pokémon Trainer, vous le connaissez très très bien. Bien chiant, 28%. Bon, je sais pas combien c'est, mais beaucoup trop. Une portée de malade mentale. Ok, ok, on trouve. Ah, dommage, la belle conversion. Et on peut quand même finir la conversion parce que Nair multi-hit, Upper multi-hit, nos outils, nos personnes du talent. Ça, ça me touche pas parce qu'on a crouch, j'ai l'impression. Aïe aïe, on mange. On a touché, on touche un teaser, c'est donc possible. Alors, ouais, c'était plutôt bien joué là de la part de Tony. Et en fait, on est sur un match quand même qui est plutôt even malgré la méconnaissance du match-up. Oulala, là là, ça tape, hein. ça porte pas mal en neutral, on trouve cette bombinette. Là, il faut trouver ce back-air. Hop, et on remonte, c'est pas très grave. On peut conseiller de l'espace, le back-air qui va trade ce que Mutchit plus. Bah, il me semble que c'est comme les épées, il y a le délire de. C'est pas intangible, j'ai désolé. Oh, je sais plus, bon, tant pis, c'est pas très grave. On trouve ce premier kill, côté chariot, 140% du côté Dracofeu. Je pense que Dracofeu prend très très bien les coups, hein. On est quasiment comme Mutchit côté, côté Game & Watch. Avec ses nerfs, avec ses back-airs, avec ses upairs. Malgré ça, on arrive quand même à gratter tranquillement les pourcents côté chariot. 40% de trouvés déjà. Et la stock peut aller très très vite. Hein. On sait le kill power, Dracofeu. On sait la légèreté Game & Watch. Sur un coup un peu bourré, sur un smash, sur beaucoup de choses en réalité, on peut tuer. Le dernier poisson qui tue. On remonte grâce à cette bille. Oula, le side B. Cette bille bien bourrée. Là, t'es la chiwai. Dis-moi tout. Ouais. Attends. Alors, what? Ah non, c'est toi Wario. Bah, donc je t'ai bien parti. Ah. Alors, je reviens. Un pour qui? Très bien. Ça t'a pris Rob. On y est, c'est bon. C'est ça comme ça, ça va pas grand-chose. Alors tu peux enchaîner contre MVRR, hein. Tu parles même pas de quelque chose. Bah, je pense qu'on peut mettre en cryptel déjà. Un de table là-haut passe en triplet. Ouais. Bah, celui qui est libre en fait. Ok, c'est bien trouvé. Ah mais ouais, Tony a quand même une bonne stock de retard. Hein. On y a cru, on a une bonne avance, mais là on a tout perdu progressivement. On tente les bombes, on tente le spacing. On loupe quand même des... On peut... Ah, on peut, je sais même pas pourquoi, comme ça, air dodge à travers le pair de Game & Watch. C'est un personnage qu'on voit très très peu. Bah. Sans Bretagne, il y a quoi? Il y a... Il bah, y a quasiment que... Callisto qui joue. Hein. Ce falling up air. Kick Lang, c'est beau. Et combien win pour Chariot? Il s'impose tranquillement avec son Pokémon Trainer. On continue Game & Watch, Pokémon Trainer, on y croit. On croit en ce choix, on prend cette sélection. 2, 1,
Je cite Tony 800 Foyard. Oui, c'est ça Smash Bros. Voilà, on y croit. On croit au vrai Smash Bros. Ah, il y a des changements dans les runs. Ah non, parce que c'est Achille là. Non, j'ai rien dit. Les runs sont classiques. Ok, Don't Throw. On trouve ce petit début de combo. Bon, le backer full space comme. Enfin, full space non, mais qui est quand même semblé correctement space. On peut quand même le punir avec une chop. Et on continue, hein, malgré ça. L'option reste tellement forte. Don't Smash un petit peu présomptueux, un petit peu arrogant quand même. Vous faites facilement punir la pointe du nerf. Et le fait de pouvoir low profile comme ça, j'ai l'impression que ça régale hein, dans le matchup. Ce Carapuce, il peut se faufiler entre les multi-hits, entre les poissons. Dash attaque. On trouve pas une conversion plus intéressante que ça et on est là à 120%, enfin 113% du côté de Tony. C'est un Smash qui a pas touché de manière un peu curieuse. Là je pense qu'il va vraiment falloir trouver la stock là côté chariot, si on veut commencer à en croire à la win. Ah c'est chop peut-être. Ouais non, on manque cruellement de 2%, ou du moins on n'est pas du bon côté. Ce Don't-Til qui touche en tout frame qui du coup permet de prendre la stock, incroyable. Ok. Il va vraiment falloir gratter hein, là côté Tony. Premier backer qui est trouvé, la bombe et lunette malheureusement qui ne trouve pas. On tente des chaises, on tente des kill moves. Les moves qui tapent bien. Pour moi je pense encore il fait une bonne vingtaine de pourcents avant de. Oh bah voilà. Bah ils sont là les bons 20% avec ce gros Don't Smash qui touche au bout du bout. Nair malheureusement qui ne connecte pas. Enfin mais pour les multi-hits c'est tellement horrible. Poisson. Et tout l'avance qu'on avait construit côté chariot qui se retrouve. Réduit à néant, on est même là, on se retrouve avec 50% de retard, enfin 60 même. Quoique, une bonne phase de chariot, là on n'est pas en reste, dommage de faire qu'il ne connecte pas. On n'ose pas trop les franchir, ben on sait qu'il y a le saut de ce Game Watch qui peut s'avérer problématique. Après, on avait juste des réflexes, c'est un projectile physique, pas énergétique. C'est pas non plus comme si on craignait un kill move après. La fin du EPR, encore une fois la fin du EPR qui s'avère très chiant. Il va vraiment falloir faire gaffe, je pense, à un falling d'air, un falling EPR qu'on a vu tout à l'heure qui s'est avéré fatal. On trouve ce falling back air. Franche herbe. Bon, attendez, un smash à quelque chose d'un peu plus gourmand. Alors, on est un peu trop lent hein, là du côté de chariot, on n'arrive pas vraiment à poser son jeu. La bonne frame de Game Watch qui ne. Bon, ouais, la fin de douille hein, qui passe. Le grab qui ne passe pas. Et une langue du Don't Smash absolument ignoble qui ira terminer chariot. C'est bon la classico, le up out of shield classico, c'est la shield classico pété. Ok. Repère. Petit fer qui coupe. C'est juste des petits coups comme ça. C'est début de combo, mais à la fois du combo et du neutral, assez curieux. Non, mais vraiment, mais j'avoue que c'est un scalp plus qu'on voit qu'il dépasse de la caméra. Ah mais en vrai, quand t'as eu Game & Watch, c'est long. Hein. Pour des hitbox, c'était faire que ça touche. Et là, oula, les problèmes là, par contre. Premier EPR, deuxième qui touche pas non plus. Le prochain sera létal. Ouais, voilà. Ah, vision. Ah. J'ai l'impression qu'on aura le cul, on prend le Roy. Bah normal en même temps, on est quand même beaucoup plus confiant sur Roy. Ça me semble assez évident. Mais bon, on a pu voir un petit peu le Game Watch, je sais pas si le train en pocket ou autre, c'est assez curieux comme ça. Hop et tac, sur à Bowser. Ok. Ah t'as gagné contre Nidibi, j'ai entendu l'inverse. Hop.
Ok, on se fout. Bah, Mama DJ qui... Mama DJ qui s'impose contre DB, qui ne fera donc pas le top 8. On sera beau deux après, hein, match-up où tu sais, délicat. Ah mais attends, mais décide, attends, parce que t'es le dernier, tu peux mettre des cibles. Oui. Mais en toi t'as eu le petit dernier parce que t'étais le dernier à coûter. Hein. Sans toi, ça doit peut-être se corriger. Tu peux t'envoyer un message à Nori. C'est moi qui le gère, du coup. Bah j'imagine, alors cette saison c'est pas lui, c'est moi. Je la prends. Il m'a bagnole moi. Ah ouais, moi aussi t'inquiète. Attends, je regarde, excusez-moi, je regarde vite fait. Ah, puis tout à l'heure, je peux pas qu'on casse, on vient me voir toutes 3 secondes donc. Pour l'instant, mais mine de rien, attends, mais pour l'instant, Chariot qui. Mince, mais je suis trompé en fait dans les personnages, je suis un gogol. Mais en fait, on a beaucoup de nouvelles là pour l'instant. Pour Tony, on est derrière. Le Pokémon Trainer de Chariot qui se confirme. Voilà, on est bon. Super qui touche, 130% là côté Chariot. Chariot qui peut peut-être s'imposer encore une fois que son Pokémon Trainer. Ah, dommage. Ce Dauntilt qui viendra punir cette approche. On peut pas vraiment prendre plus de pourcents que ça côté. Côté Dracaufeu. Enfin, du moins, on peut pas swap, c'est pas possible. On meurt forcément. Oh la vache, là on a tenu dans la zone là. C'est quand on commence à avoir tous les déplacements, on touche pas les bonnes hitbox, on n'a aucun. On n'a pas d'air. On sait tout côté Tony, capitale la Colombie. Oui, mais vraiment. Tony, il va voir Chariot, il fait je sais tout. Ah oui, quelle capitale la Colombie? Bah Bogota, il le sait, il a tout. Est-ce qu'on peut trouver une shop? Est-ce qu'on peut trouver un kill move côté Chariot s'imposer avec Pokémon Trainer, avec la Cell Hachi contre Tony Klakos. Klakos qui conclut la Metz Hitbox, cette bonne Dunsro. Est-ce qu'on peut trouver? Non, voilà, peut-être pas. Quel big smash. Ouh. Il va être